présenter très rapidement ce cosplay Comic-Con Sci-Fi avec nos premiers candidats. Je suppose que vous les connaissez tous. Ils viennent de la série Les Maîtres de l'Univers. Je vous demande d'applaudir Skeletor, Castapella, Muscleur, Sorcière, Ordak, Shera, Maître Verbe et Shadow Weaver. Les applaudis très fort. Il est des héros tout gentils et tout mignons qui vivent en communion avec la nature. Pour la jolie petite fleur. Oh, mais vos cuicuis, vos jolis cuicuis. Mais aussi composer des poèmes au clair de lune et qui est de chanter et de danser. Ce n'est pas parce que j'ai une moustache et un si beau poil qu'on est forcément une bande de... Mais il y avait également des méchants, très méchants, qui n'aimaient ni danser, ni composer des poèmes au clair de lune. Oh, une fleur! Berthe! Oh, regardez, un cuicui! Oh, vous avez tué le cuicui! Oh, ça m'offre un merveilleux dîner pour ce soir! Et un jour, ils se rencontrèrent. Et là, c'est plus le drame. Oh, des méchants! Oh, des gentils! Je m'occupe de Claude François de Freddie Mercury. Non, mais j'ai dit que ce n'est pas parce que j'ai une moustache que... Merci! Et puis c'est pas la taille de ma moustache qui compte d'abord. On s'occupe de Belphégor et de Catwoman. Qu'est-ce qu'elle dit? On s'en fout. Et il se trompe, elle te bat, tête de mort. Genre, on me l'avait jamais faite, celle-là. Et l'autre, là, avec sa tête de cochon. C'est qui tu traites de cochon? Et c'est plus des verres, 356 épisodes palpitants des Maîtres de l'Univers. Quoi? 356 épisodes? Et puis quoi encore? Et pourquoi pas après avoir fait une blague ton premier? Et des jouets fabriqués par Mattel? Ouais, il y en a marre de la violence. Ce rêve. Quelle fin nulle! Si j'avais su, j'aurais fait la voix off des Cosmocats. On les applaudit très très fort! Le groupe E3, le groupe des Maîtres de l'Univers. Merci à vous. La sortie se trouve derrière vous. Je les trouve quand même un peu suspects.